Maëlie est avec nous en direct live, bien sûr, pour nous présenter euh, cette, euh, euh, ce fameux événement défilé en calèche façon flamenca. On va en savoir un petit peu plus. Maëlie, alors j'ai su, puisqu'on oui. en est à nos deuxièmes enregistrements, euh, que tu étais la deuxième présidente de l'association Flamencolé. Euh, pourquoi Flamencolé alors ce nom, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est les, les, les créatrices de l'association qui a été créée en 2020. En fait, euh, Véronique, Mireille, ma maman et Flore, qui sont toutes les trois des passionnées de flamenco, ont créé cette association qui est basée à Villefranche-de-Rouergue. Et donc le nom, alors le nom, c'est parce qu'il y a la sonorité, évidemment, entre flamenco et, et olé, hein, qui est une interjection qui s'utilise souvent dans ce flamenca. Et voilà le petit côté original aussi. Bon, et comme ça, on en sait un petit peu plus. Défilé en calèche façon euh, flamenca. Alors, euh, ça va se passer à Villefranche de rouergue C'est dans l'Aveyron, de 9h euh, à midi. Euh, défilé calèche façon flamenca. Moi, je connais les défilés calèches euh, traditionnels, hein, puisqu'on en voit un petit peu partout dans la région. Pourquoi façon flamenca Qu'est-ce qu'il y a de si particulier alors, en fait, ce qu'on qu a voulu euh, cette année, enfin, ce qu'on qu va essayer, c'est que. Donc, l'objectif de l'association, euh, au-delà de simplement donner des cours de danse, c'est en fait de, de parler de la culture flamenca et de, et de faire connaître ce que c'est. Et, et ça, ça passe pas par que des cours de danse. Donc, on, on fait de temps en temps des petits événements, des petits spectacles, des choses comme ça. Et. Euh, quand on a su qu'il y avait ces, ces défilés de calèches qui étaient organisés par l'association euh, Calèches et Cavaliers du Rouergue, on s'est dit que c'était l'occasion peut-être de, de montrer ce que c'est que des, bon, bah, des tenues flamencas, bien sûr, mais surtout dans un contexte qui ressemble à celui de l'Espagne, quand on fait par exemple des ferias. Et les ferias, c'est souvent en tenue et c'est souvent avec des chevaux, donc il y a quand même une, une certaine similitude. Donc, on en a parlé à l'association qui ont accepté tout de suite et qui nous ont réservé des places, euh, des places en calèche. Et donc, euh, voilà, l'objectif, c'est avec quelques-uns de nos adhérents de venir, euh, de venir en, tenue, en tenue, bon, on va dire les plus traditionnelles possibles, défiler dans les calèches ou à cheval pour, pour euh, montrer aux gens à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, peut-être. Euh, faire quelques danses aussi pour... Euh, en général, les ferias, quand même, on danse beaucoup. Voilà. Euh, ça fait partie d'une certaine culture, pour vous ah bah, Alors, pour moi, pas pas directement, parce que moi, je n'ai pas grandi dans cette culture-là, mais mmh. en Espagne, c'est vraiment une culture... Enfin, le, 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 le flamenco, c'est pas... Voilà, c'est pas juste, on apprend à, à chanter, à danser, c'est un peu un quotidien et ce quotidien, il, il s'insère. En fait, la danse et le chant et les palmas, donc les palmas, c'est les percussions corporelles et avec les mains, mmh. ça s'insère dans un quotidien, ça s'insère dans des événements, dans des fêtes que les gens vivent tous les jours. Ça fait partie de la culture espagnole, ouais. Moi, qui ai eu la chance de faire divers reportages sur les festivals de flamenco, euh, mmh. il faut quand même dire quelque chose, c'est que euh... C'est une musique, on va dire, euh, particulière, qui a euh, mm. vraiment des origines. Euh, mais il faut aimer, parce que. Euh, Tout à le, fait. Parce que les vrais passionnés, ils ne s'arrêtent jamais. Que ce soit des musiciens, <laughs> vous les prenez à 8 heures du matin jusqu'à <laughs> 2 heures du matin euh, dans la nuit, ils sont en train de jouer encore. C'est absolument dingue. Ça sent le vécu. <laughs> oui, non, mais je l'ai vécu, oui. Oui, alors en fait. Bah, c'est vrai que le oui le flamenco c'est un truc de passionné et puis c'est c'est vrai que c'est pas forcément très accessible enfin s'il a pas si on n'a pas les codes le grand public comprend pas forcément tout et du coup nous notre idée aussi en fait c'est de passer par quelque chose de alors on, on veut pas forcément faire aimer le flamenco à tout le monde c'est pas on aime comme vous dites on aime ou on n'aime pas mais en tout cas on veut essayer d'ouvrir une porte à, à ça c'est pour que pour que en fait, par le biais, par exemple, de défilés en tenue ou par le biais de sévianes, parce que les sévianes, c'est les danses folkloriques qu'on va danser, mmh. qui ne sont pas vraiment du flamenco, mais qui sont plus accessibles parce qu'on peut les danser plus facilement. Et, et lors d'événements, tout le monde peut danser des sévianes assez rapidement et de façon festive entre nous, pas forcément sur une scène, dans un tableau. Oui. Et donc, ça, c'est une sorte de porte d'entrée, justement, pour rendre la connaissance du flamenco un peu plus facile. Alors cet événement il va nous servir à découvrir aussi euh, bien sûr euh, le flamenco mais aussi les calèches, alors par rapport à ces calèches on va dire spécifiques ou plus euh, normales, ça veut dire, euh, <laughs> euh, parce que je sais qu'il y a différents peut-être chevaux, euh, ouais. donc euh, est-ce que vous c'est spécifique ou pas du tout alors moi, je vais être très mal placée pour vous parler de ça parce que c'est vraiment l'association des calèches et des cavaliers du rouergue qui font ça. Ce que je sais, c'est que euh, ce sont des calèches anciennes que, que apparemment ils, ils retapent re eux-mêmes, donc avec avec leurs adhérents, avec leurs bénévoles. Et pour ce défilé-là, je pense que c'est des calèches des années 1900. Donc. Euh, ah oui. Oui, oui. Et, oui, et oui, combien oui. il y aura à peu près de calèches pour, pour donner une idée aux gens à peu près Est-ce que tu as une... Alors, ouais, non, là, je n'ai là, pas cette info-là. Ouais. Bon, en tout cas, il n'y en, en aura pas, une. pas. Ça, c'est sûr et certain. Ah non, non, alors il y aura, y aura plusieurs calèches et il y aura aussi des chevaux sans calèche Et voilà, le départ se fait vers 9h, 9h15 jusqu'à ouais. midi. Voilà. D'accord. Et c'est un parcours qui est déjà programmé dans la ville, sécurisé, etc. Oui, oui, le parcours a été programmé avec la mairie. Euh, après, ils ont l'habitude parce que c'est pas la première fois qu'ils le font, donc euh, ça part de la place du Foirail, donc pour ceux qui connaissent Villefranche-de-Rouergue, et ça va, ça va faire un petit parcours dans, dans autour de ville, autour du, de, la ville de Villefranche. Il y aura aussi quelques balades pour le public qui seront proposées pour monter en calèche. Et ensuite, il y a un retour à nouveau place du Foirail, euh, vers midi. Et puis euh, il y a aussi toute une brocante euh, toute l'après-midi. Voilà, et de la restauration sur place. De quoi passer un excellent moment. Alors pour les gens qui euh, nous regardent et qui se disent bah tiens j'aimerais bien passer puisqu'ils annoncent un week-end plutôt sympathique, hein, je pense au niveau météo. Hein, exactement. Euh, si les gens ils se disent bah tiens j'aimerais bien euh, aller à Rouergue, ça se situe euh, un petit où exactement, grosso modo. Oui, oui, alors Villefranche de Rouergue, c'est le Rouergue. <laughs> rouergue, oui. <laughs> Exactement. Euh, alors pour situer, c'est c'est entre euh, c'est avant Figeac, c'est euh, c'est entre on va dire entre Rodez et Figeac. Je ne sais pas d'où sont les, les auditeurs qui nous écoutent. Voilà, si si tu sais ces deux grandes villes. D'accord, voilà. mais en tout cas les gens ils vont taper voilà. villefranche sur comté euh, Rouergue oui, et ils vont Rouer, trouver bien sûr parce que c'est vous êtes bien référencés, euh, quand même, on l'a dit, c'est une association, ça veut dire que euh, euh, flamencollet, s'il y a des euh, gens qui se disent, bah tiens, ouais, j'aimerais bien euh, adhérer à l'association, euh, c'est possible Comment vous fonctionnez au sein de l'association Eh bien, c'est tout à fait possible. Il y a, il y a un Facebook officiel de l'association avec nos coordonnées, donc mail et téléphone. Euh, bon, ils peuvent adhérer s'ils souhaitent juste adhérer pour nous aider, ça c'est possible, mais sinon ils peuvent euh, tout simplement venir suivre des cours. Donc il y a des cours de flamenco, enfants, débutants, intermédiaires. Et depuis cette année, il y a une chorale flamenca, donc, euh, où on apprend à chanter des chants assez simples et à faire les palmas, donc c'est les fameuses clac, clac. percussions dans les mains, voilà. Euh, et des ateliers sévillanes, les fameuses danses dont, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vrai parce voilà. que quand on voit euh, les gens taper dans les mains, euh, tac 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 et puis quand on voit même avec alors je connais pas les mots et les termes précis mmh. euh, les hommes mmh. et les femmes avec les, les, mmh. les, les pieds qui tapent comme ça avec par quelques... terre quand on regarde mmh. comme ça on se dit mais moi demain je peux le faire c'est facile mais non pas du tout <laughs> c'est pas ça Ah non non c'est pas non non techniquement c'est quand même très difficile alors attention je précise juste que moi je suis pas du tout euh, une professionnelle du flamenco ni une spécialiste hein. je suis... ouais, je ouais. parle de flamenco en tant que passionnée voilà mais euh... En tout cas, poursuivre des cours de flamenco, je sais que. En fait, ce qui est difficile dans le flamenco, c'est déjà qu'il faut comprendre la musique. C'est des rythmes qui sont pas des rythmes très intuitifs, voilà, comme ce qu'on écoute en musique pop. Euh, voilà. Donc, il faut déjà se familiariser avec une rythmique qui est très particulière. Il faut arriver à la suivre quand on danse. Et ensuite, techniquement, il faut arriver à mettre les fameux taconeos dont vous parlez, les pieds, plus les bras. Donc, il faut avoir de la coordination parce qu'on ne fait pas la même chose avec. Les bras et avec les pieds. Oui. Voilà. Alors ça c'est très <laughs> technique. En tout cas moi euh, pas faute je l'ai vu euh, déjà et croyez-moi que vous pouvez passer un bon moment euh, <laughs> si vous aimez bien sûr la musique euh, euh, flamenco et sachez que même si les chaussures sont spéciales aussi il y a une semelle vraiment très spécifique à l'intérieur. En tout cas voilà c'est plein de choses que vous pouvez apprendre mm. euh, pendant ce dimanche 6 octobre à Villefranche-sur-Rouergue. Sur pardon l'association Flamencolet euh, avec un un défilé façon flamenca avec des chevaux. Enfin bon, c'est toute une histoire euh, qu'ils vont vous raconter ce dimanche. 9h, midi, départ du foirail de la Madeleine. Il y a peut-être une adresse mail qu'on pourrait peut-être éventuellement donner s'il y a des gens qui veulent plus d'informations. Mmh. Euh, alors, ils peuvent nous écrire. Si c'est pour l'aspect euh, donc flamenco, ce sera notre adresse. Donc flamenco, f l -A m n k O-O-L-E, -O at gmail.com. Voilà. voilà. Et sinon, que... c'est contacter l'association des calèches des cavaliers du Rouer. Ouais, voilà. Mais sinon, après, ils tapent, euh, même, ils peuvent taper directement sur Internet, euh, Flamenco. Ils trouveront euh, sur Internet. Vous Tout allez tous fait. trouver. Merci beaucoup. Je vous rappelle que si vous voulez <laughs> faire gagner un reportage euh, sur cet événement, il vous suffit de taper le numéro en haut à droite que vous voyez de l'écran, le vote numéro 2. Merci beaucoup, Maëlie. Merci à vous.